こんにちは、皆さん。元気ですか？Ouh là là, ma connexion vient de passer dans le rouge. Est-ce que l'on m'a entendu? Est-ce que l'on m'entend? Je dis Naruto, vous dites Naruto dans les chats, s'il vous plaît. Pendant que je me recoiffe parce que je suis clairement pas présentable. Naruto, ça va et toi, Sensei? Ça va? Cool, ça marche. J'ai eu un gros bug sur le stream. Ça marche et pas de décalage. Voilà. Et là, c'est déjà un petit peu mieux. Comment ça va, les gens? Team Naruto. Oui, non, je veux pas. Je veux pas. C'est Naruto, maintenant, c'est Bae. C'est obligé. Donc oui, pour ceux qui sont nouveaux à la chaîne, pourquoi Naruto? Parce que quand j'ai commencé les lives durant le confinement... J'ai commencé Naruto en même temps et j'ai tellement adoré que du coup voilà, je c'est Naruto. Voilà. Quand dit le bonjour, c'est Naruto pour vérifier que tout va bien. Ça. Alors, comment ça a été depuis lundi pour réviser vos kanas? Est-ce que vous avez eu le temps de réviser? Est-ce que ça commence à rentrer un petit peu selon vous? Est-ce que vous êtes prêts pour le petit test d'aujourd'hui? Ancien qui nous dit mal. Oh non, oui, c'est vrai que... Voilà, j'ai vu sur Discord. Mais c'est pas grave, je crois en toi. Il y aura toute la semaine après pour apprendre vraiment bien. Sinon, pour les autres, ça avait l'air plutôt d'aller. Yep, yep, yes. Non, pas eu le temps et très mauvaise journée. Oh, on fait tous des pattes-pattes sur la tête de Armadillo. Moi, je te fais des pattes-pattes. Pattes-pattes. Oui, un peu. Bon, on va voir ça avec le test, comme d'habitude. Sinon, ça c'est... À part... est-ce que votre semaine, c'est début de semaine, c'est bien passé? Je prends des nouvelles en attendant que tout le monde arrive. J'ai un peu travaillé. Ah cool, génial. Attends, je me baisse. Ah, t'es plus grand. Pot. Son est pot. Il faut tellement que je vois pour créer des émotes, trouver une artiste qui fait des émotes. Et il me faut une émote clap clap et il me faut une émote Naruto. Genre c'est obligé, obligé. Ces deux-là, il me les faut. Oh non.
pas eu le temps non plus. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va refaire un petit récap de ce qu'on a vu sur les trois dernières séances. Donc, les syllabes simples et les syllabes dérivées. Et aujourd'hui, on va revoir entièrement, enfin, on va voir plutôt entièrement les syllabes composées. Donc, on a 11 lignes de 3. Mais ça réutilise les syllabes simples et dérivées que l'on a déjà vues dans le cours d'avant, donc ça va vous faire principalement réviser hein, ce que l'on a vu avant. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez tous de quoi écrire? Un papier, un stylo? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous êtes prêts? Semaine trop pleine, oui, bah j'imagine. J'avais cru comprendre. Tout va bien. Trop chargé, la fin de semaine va être encore pire. Oh non, Ganbatte, Kalinos. Et on me dit oui. Et vous voyez, j'ai toujours mon épar. Dégueulasse. Dégueulasse. Mais j'ai soif. Et oui, et donc il faut pas. Voilà, merci. Merci Charlie. Ah, quel plaisir. Quel plaisir de boire cette eau. Bon. Et je ne vais pas pouvoir suivre tous les cours. T'inquiète pas, il y a le replay. Il y a le replay, heureusement, qui dure le plus longtemps possible sur Twitch. Je sais pas si c'est 3 semaines ou quelque chose comme ça, donc ne t'inquiète pas. Bon, si ça a l'air d'être bon pour vous, évidemment, il n'y a pas mon partage, mais c'est quoi ce délire? Na Nicole, ciao tomate kudasai. Ciao tomate. Il est où? Est-ce qu'un jour j'aurai un stream qui se passe bien? Je ne pense pas. Je ne pense clairement pas. Alors, attendez. Mais pourquoi il détecte pas mon écran? Mon deuxième écran? Attendez. Attendez. Capture de fenêtre, peut-être que ça va fonctionner si je fais ça. Oui, ça fonctionne. Oh mon dieu, heureusement que ça au moins fonctionne. Mon dieu. Alors attendez. Hop, on va rogner tout ça quand même, un minimum. Fiut. J'ai eu peur là. Mais bon, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon PC. Mais je ne sais pas quoi. Mais bon, on va faire avec ça devrait le faire. Et Idril, le replay, en fait, il se trouve dans la chaîne. Si tu vas sur la chaîne, tu as un truc vidéo et ça sera dans ça. Alors, je vais bien ajuster ma caméra quand même. Voilà, ça sera un peu mieux. Pas le whisky. Non, pas le whisky. Faut pas. C'est pas bien, ancien. C'est pas bien. Ma connexion internet bug. Ah, Ganbaté. Mets la qualité de l'image au plus bas. Tu verras quand même les formes normalement, mais au moins, tu arriveras à. Ça va pas couper. Normalement. Alors là, c'est bon, il est 45 passé. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Je remercie tous ceux qui ont follow la chaîne, qui pendant que je n'étais pas en live, c'est très gentil. Et Yokoso, comme j'ai l'habitude de dire, bienvenue au nouveau. Et à ceux qui viennent à peine d'arriver. Voilà, merci. Notamment à Jura Ponytail plutôt, qui est le dernier à s'être abonné il n'y a pas si longtemps. Bienvenue à toi si tu es encore parmi nous. Allez, on va commencer du coup. Prenez tous de quoi écrire, hein, papier et crayon. Et on va commencer avec le petit test numéro 3, l'examen numéro 3. Alors, comme d'habitude, vous avez deux types d'exercices. Je vais vous laisser environ 5 minutes. Le premier, il faut écrire les kanas en hiragana, ce qu'on est en train d'apprendre. Et le deuxième, c'est un exercice de lecture. Donc, vous avez des hiragana et il faut mettre la lecture en français, en lomaji. Et oui, du coup, Jura Ponytail, si tu es encore là, d'où viens-tu? Comment tu nous as trouvés? Je pense que ceux qui s'abonnent avant, c'est qui viennent des réseaux sociaux. Mais sait-on jamais? C'est tellement ça. Donc voilà, je vous laisse faire ça jusqu'à, allez, un bon 50. Vous me dites dès que vous avez fini, dès que je vois que la plupart ont fini. On regardera les exercices. Les corrections plutôt. Les corrections. Tuk tuk tuk.
Bon, sinon, pour ceux qui n'ont pas besoin du test parce qu'ils le connaissent déjà ou qui n'ont pas encore révisé, est-ce que ça va? On va meubler ces 5 minutes de ceux qui font les tests. Comment allez-vous? Quoi de neuf? Que me racontez-vous? D'où venez-vous? En fait, tout le monde est concentré. Tout le monde fait le test. Eh bien, on va maintenir ce silence de malaise très longtemps. Chose que je ne sais pas faire, évidemment. Ce n'est pas possible. C'est trop malaisant. En attendant, je vais faire pop les notifs. Ah, Kanayu, Kambawa, bonsoir, bonsoir. Je pense que c'est la première fois que je te vois. Sinon, je reconnaîtrai ton pseudo. D'où viens-tu? Comment vas-tu? Comment nous as-tu trouvé? La question de base. Waouh, Grimm et l'efficacité. C'est ok pour toi. Second India, né. On va laisser aller jusqu'à 51. Alors pour Yukimi, c'est aussi ok. Bien, merci. Et vous, je termine le taf ici par curiosité. Ah, bon, cool. J'espère que ta curiosité sera satisfaite, plutôt. Et tu peux me tutoyer. N'hésite pas. Le vouvoiement, c'est pas très trop fait pour moi. Ça me vieillit un tout petit peu. Un tout petit peu comme ça. Tout petit peu. Et du coup, au cas où, voilà, je vais en profiter que... de laisser un peu de temps pour ceux qui finissent le test. Ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je le répète, le principe de cette chaîne, c'est de donner des cours de japonais gratuitement. On reprend depuis le tout début par rapport à ce qui avait été fait durant le confinement. Et on commence par l'apprentissage des kana, donc les hiragana, le syllabaire pour les mots d'origine japonaise, et les katakana, le syllabaire pour les mots d'origine étrangère. Voilà. Et donc là, on est au quatrième cours sur les kana. Donc on a déjà vu tout le premier tableau de base que je vais vous remontrer en récapitulatif pour ceux qui sont un peu en retard, qui n'étaient pas là depuis le début. Et on va travailler du coup la suite, c'est-à-dire les syllabes composées. Ah, Tsunon, konnichiwa, ça va et toi? Comment vas-tu? D'où viens-tu? Pareil, je pense que c'est la première fois que je vois ton pseudo. D'où viens-tu? Comment as-tu trouvé le stream? Fini? Bon, pour l'instant, vous êtes trois à avoir fini. Est-ce qu'on peut montrer la correction? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou je laisse encore un petit peu de temps? Et du coup, je continue. Hein. Là, à chaque début de cours, il y a un petit test, voilà, pour juste voir si vous avez retenu. Hein. C'est pas pour moi, je m'en fiche de ce que vous avez fait, mais c'est surtout pour vous, savoir ce que vous avez appris, ou du moins si, comment dire, si vous avez acquis des nouvelles connaissances et juger à peu près où en est votre niveau. C'est surtout pour ça. Et on fera ces petits tests-là pour tous les cours, donc aussi bien les cours de kana, que de kanji, que de grammaire, etc. Et du coup, bienvenue Kanayu, merci pour le follow, c'est super gentil. Yokoso, bienvenue dans la classe. N'hésite pas à trouver une petite place ou bosser avec nous. Il me manque 3, mais je m'en souviens plus, donc disons que c'est bon. Oh, bah écoute, ça va, si t'en manques que 3, c'est nickel. C'est bon, j'irai pas plus loin. Ok, bon, ça m'a l'air... bon pour la plupart des gens, donc on va passer à la correction. Donc pareil, je vous laisse 2-3 minutes le temps de checker le nombre de points que vous avez et n'hésitez pas à le mettre dans le chat pour voir à peu près où, enfin pour que je vois à peu près où vous vous situez. J'en ai 7. Ah, Ine, c'est bien l'ancien, t'inquiète pas,
Surtout avec les... si t'as des journées de merde, clairement, c'est normal que tu ne puisses pas les réviser. Donc, ne t'en fais pas. Sachant que là, on va revoir des canas qu'on a vus la dernière fois, donc ça va te faire réviser. Et tu auras tout le reste de la semaine pour revoir tout le tableau avant lundi prochain. Sachant que lundi prochain, du coup, on va travailler les voyelles longues et les consonnes doubles. Donc là, pareil, c'est assez simple à comprendre. On va faire beaucoup de pratiques et on va faire beaucoup de lectures de vocabulaire. Donc vous allez vachement vous entraîner à lundi. Et du mercredi prochain, on fera un gros test final. Pareil, que je vais essayer de faire des petits exercices, des vrais ou faux, etc. Donc, ça va être pas mal d'entraînement sur les deux séances consacrées au hiragana qui vont arriver. 18. C'est bon, c'est normal, je les écris souvent tous les jours quand je peux. Bon, bah ça va, nickel. Omedetto. Non, j'ai une faute. Oh, S-Dream, je suis déçue. Non, je rigole, Jordan. 3 fautes pour les écritures, la lecture est bonne. Bah écoute, c'est excellent. 18, 13, 8. C'est excellent, très très bien. Lundi, mardi et lundi d'après, je serai en concours, donc ce sera encore chaud. Ah, sonné. J'avais oublié. Je sais pas, je sais pas si t'en avais parlé sur Discord ou si j'ai juste oublié du coup. Mais, bah, Nandemona, c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu auras toujours le temps de rattraper de temps en temps. On accuse Yukimi de triche, pas bien, pas bien. Bah écoutez, dans l'ensemble, je vois que c'est très bien su, hein, dans l'ensemble. Il y a très peu de fautes. Donc c'est pas génial. Continuez comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est super. T'es jaloux parce que t'as fait une faute, c'est ça? Ça doit être cette... c'est certainement ça, Yukimi. Je suis sûre. Bon, bah c'est super, nickel. Continuez comme ça, je pense que au fur et à mesure, vous allez super bien les retenir. Là, je vous disais, hein, la semaine prochaine, du coup, il y a deux dernières séances sur les hiragana. Ensuite, on enchaînera dans deux semaines sur les katakana. Et ça sera quasiment que des séances d'entraînement avec de la lecture. Là, je vous ferai participer sur le Discord. Je vais avoir besoin certainement de petits volontaires qui veulent tester leur lecture. Donc, ceux qui n'y sont pas, allez-y, je ferai des annonces et tout pour recruter, entre guillemets, avant le live. Et pour que vous puissiez vous entraîner à lire du vocabulaire, etc., etc., pour les plus téméraires. Attention, il va pas encore t'offrir un abo. Sonné. Il peut pas faire ça tout le temps. Salut, je suis un peu en retard, je vois. Ah, Kiki-san, konnichiwa. Oui, bon, bah, on vient de finir le test. Mais voilà, si tu veux, tu peux mettre sur pause et refaire le test en attendant. Mais c'est toi qui vois. Voilà, je te le mets. Hop. Et voilà. Il y a un nouveau qui va refaire son apparition. Tsunan, 9 sur 18. Mais parfait, c'est la moyenne. C'est excellent. Je sais pas du tout, Tsunan, la base que tu as, vu que c'est la première fois que je te vois sur le stream, je pense. Mais avoir la moitié des points, c'est excellent. Sachant que là, c'est un test qui prend en compte tout le tableau, les simples et les dérivés. Donc c'est très bien, t'en fais pas. C'est super bien. Il y a un nouveau qui va refaire son apparition. Je répète, hein, c'est qui? C'est Stan. Stan. Bon, sinon, on continue. Sur un petit récap, enfin du coup on continue, on va reprendre le cours et faire un petit récap de ce qui a été vu juste avant. Donc là on est sur le tableau en lohomazi, des syllabes simples et des syllabes dérivées. Donc on a vu les voyelles, la consonne K et leur dérivé en G, la consonne S et dérivé en Z, le T dérivé en D, les N, les H et les deux dérivés en B et en P, les M, les Y, les R et les W plus le petit N. J'ai une petite base apprise en autodidacte. Eh ben écoute, c'est super. Là, je pense que clairement, cette séance, elle va être super bénéfique pour pouvoir retravailler tout ça et revoir les bases. Hein. Donc, vous en faites pas. On a tous notre rythme d'apprentissage. Il y en a qui sont très rapides. Moi, je sais qu'à l'époque, je les avais appris en deux semaines. Il y en a, clairement, il leur faut peut-être un mois. Et c'est pour ça que je prends trois semaines pour faire l'ishiragana. Parce que ça permet à ceux qui sont rapides de bien réviser. Et à ceux qui sont un peu plus... qui ont besoin de plus de temps, d'avoir plus de temps pour les bosser, tout simplement. Et Caleb et Charlie, merci, je le bois à votre santé. Kanpai. Et deux fois, évidemment. C'est pas
Voilà, donc ça c'est en lot, on m'a dit le dos droit, mon dos il est droit. Merci Yasmine. Et je vous le mets du coup en hiragana. Donc ça c'est censé être toutes les, comment dire, syllabes, tous les caractères que vous avez travaillé et que vous connaissez plus ou moins. Du moins à partir de la semaine prochaine, il faudra essayer de les savoir à peu près par cœur. Bon, c'est normal qu'il y en a 2-3 qui ne veulent pas rentrer, là, bon, c'est une question d'entraînement, mais essayez vraiment de pousser votre entraînement le plus loin possible, tous les jours, au moins 10 minutes, et normalement, avec ça, la semaine prochaine, avec les révisions et tout, en 3 semaines, vous saurez tous vos hiragana, si ce n'est pas déjà le cas pour certains. Donc voilà, les voyelles, les K avec les dérivés, les S avec les dérivés, les T dérivés, les N, les H avec les deux dérivés, M, Y, R et W, plus le petit N. Voilà, donc ceux qui n'étaient pas là, qui débutent en japonais, c'est le moment de screen ce petit PDF. PDF que j'offre, que je donne à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Voilà, je le dis comme ça, je dis rien. Donc si ça vous intéresse de récupérer tous les diapos déco, n'hésitez pas à s'abonner. Voilà, on continue, on commence pour de vrai le cours. C'est bon pour vous? Tout le monde a de quoi écrire? Dites-moi, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que vous vous sentez prêt? Go desu ka, minasan? Go! Manuel nous dit go! Yes! Hey! Ah! Jojo ka! Konnichiwa! Konnichiwa! Genki desu ka? Comment tu vas? Lancer qui fait iye! Mais si tu peux le faire, je crois en toi et je te patte-patte encore! J'ai patte-patte, on patte-patte. On fait tous des patte-patte pour Armodilo. Patte-patte dans le chat, patte-patte dans le chat. Si je m'endors pas, ça devrait être bon. So, ne? Lilou qui a une question. Hi, dozo. Vas-y, je t'en prie. Quelle est ta question? Mais je suis déçue, tu m'as pas demandé d'où je viens. Mais moi, je sais d'où tu viens du coup. Maintenant que tu es sur le Discord. Et au passage, j'adore ce que tu fais. Clairement, qualité de fou. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Si vous voulez voir ce que Jojo Café, bah vous venez sur le Discord et vous allez rapidement voir de ce qui en est. Hein. Je recommande. Patte-patte dans le chat. Merci Charlie. Ah bon, en attendant la question de Lilou, du coup, on va commencer. Et donc je vous l'ai dit, aujourd'hui on va travailler toutes les syllabes composées. Pour travailler les syllabes composées, il faut savoir toute la rangée des i, donc ki, shi, chi, ni, hi, mi, li, et les dérivés gi, ji, bi, pi. D'accord? Plus les ya, yu, yo, qui vont être plus petits. Mais je vais vous expliquer, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Jojo, tu cherches pas un stagiaire. Ça cherche à faire son mot, ça. C'est, ah, comment on dit, c'est candidature. Bon, je dois finir le taf, mais je garde le stream dans un coin. Hi, ganbatte kudasai. Courage, Jojo, pour le boulot. Ganbatte ne. Donc, on va commencer avec la première rangée, la rangée des K. Ah, Charlie, ça dépend si tu aimes bien FF7. Le fameux. C'est bon, on t'a trouvé ton stagiaire et toi t'as trouvé ton stage. Alors, Lilou qui me dit, en fait, sur le clavier, genre sur nos tels, est-ce que quand on écrit, on met les consonnes et c'est le mot? C'est bizarre dit comme ça, mais je sais pas comment expliquer. Je peux poser mon CV ici du coup. Alors, pour répondre à ta question, Lilou, j'ai pas trop bien compris à quoi tu fais référence, mais pour avoir un clavier japonais, t'as deux solutions. Bon, dans tous les cas, tu dois télécharger une application hein, sur téléphone. Et tu as soit le clavier typique, c'est-à-dire que tu as juste les syllabes et tu vas en haut à droite, en bas à gauche en fonction du caractère de base. Soit tu as, comme nous, en QWERTY. Et là, tu dois taper tes syllabes. Donc, je ne sais pas c'est lequel de clavier, sachant que moi, je suis compétente uniquement pour le QWERTY. L'autre, je n'arrive pas à utiliser, je ne me suis jamais habituée. Et ça me prend trop de temps alors que le QWERTY me convient très bien. Donc dis-moi quel clavier déjà c'est et je pourrais peut-être un peu mieux t'aider. Bon allez, on commence du coup. Donc comme je vous l'ai expliqué, pour faire des syllabes composées, il nous faut une syllabe en i plus des petits ya, yu, yo. Il faut savoir que la langue japonaise, et vous l'avez remarqué, hein, elle n'est pas
très complexe en son. Il n'y a pas beaucoup de sons dans la langue japonaise, ce qui fait que ils ont eu des petits, ils ont fait des petites combinaisons et pour augmenter leur champ phonétique, j'ai envie de dire. Donc là, ki plus un petit ya, ça va nous donner kia. Au niveau des tracés, je vais les tracer en même temps que vous, comme ça, ça vous laissera aussi le temps de prendre des notes. Mais là, c'est les tracés de base, hein, ces caractères. Enfin, vous prenez chaque caractère, le tracé est identique à si il était tout seul, en fait. Donc, pour le ki, je vous le répète, on est sur un égal, barré, avec un petit hané, et une virgule en quatrième trait. Sachant que, comme je vous le disais, ce ki, on peut le retrouver en seulement trois traits, et ça va ressembler à quelque chose de ce style-là. Bon, moi, c'est un petit peu moche, mais bon, voilà. Vous avez à peu près compris. Et pour le ya, du coup, il va être plus petit. Au niveau du trait, ce sera la même chose, hein, mais vous regardez au niveau de la taille, là, il y a tout cet espace-là qui est vide, en fait, et c'est en ça que le ya est plus petit. D'accord ? Ça va être la même chose pour le q. Donc, on va être sur 1, 2, 3 et 4e trait. Et le you, pareil, c'est le poisson, hein. Hop, 1 et 2. Et ici, pareil, on va avoir un espace vide. Touk, 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 touk. Et ici, ça va être la même taille. Idem pour le kyo. 1 égal barré avec un petit hané, une longue virgule. Et le yo en plus petit. Et ici, on a un vide. Donc je répète, ça se prononce kya, kyu, kyo. Kya, kyu, kyo. Ki plus ya, kya. Ki plus you, kyu. Et ki plus yo, kyo. Est-ce que ce rythme-là vous convient? Est-ce que c'est trop lent? Est-ce que c'est trop rapide? Dites-moi. Je vous l'ai fait apprendre par 3, tout simplement parce qu'ils vont par 3. Et que ça reprend exactement les mêmes kanas que, et je vais vous le montrer, hein, que les syllabes simples et dérivées. Ici, vous avez un ki et des petits ya, yu, yo. Alors pour Charlie, ça va. C'est super. Pour moi, c'est bon. Ok, nickel. Donc si c'est bon, on va passer à la ligne suivante. Donc là, on a vu la ligne des ka avec ki, le ki, kya, kyo. Maintenant, on va voir le dérivé de ki, c'est gi. Et donc le gi, ça va nous donner gya. Gi plus petit ya, gya. Bon, ça a l'air d'être bon, nickel. Donc là, pareil, au niveau du tracé, on est sur 1 égal barré. N'oubliez pas que c'est le dérivé de ki. Et donc, quand on dérive, on rajoute juste des petits ten-ten, des parcuten en haut à droite. Plus un petit ya. Hop. Non, je me suis trompée, vous voyez. Hop. D'abord lui, et ensuite lui. Donc ça, c'est gya. Gya. Alors, Lilou qui nous dit, donc si c'est QWERTY, je mets les symboles du mot. Imaginons pour BAKA, je mets B-A-K-A et c'est bien le mot. Je sais que le KV met automatiquement les syllabes ensemble, mais je suis pas sûre que ce soit bien le mot et pas juste deux syllabes côte à côte. Alors, j'espère que quelqu'un comprend. Alors oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est exactement ça. BAKA, c'est BA-KA, t'as deux syllabes. Il faut écrire ces deux syllabes, B-A-K-A. Et soit tu vas l'avoir en hiragana, soit certains mots sont peut-être en katakana, ou alors il peut aussi avoir les kanji. Et là, il faut que tu saches à quoi ça fait référence, il faut que tu les connaisses pour choisir la bonne chose, tu vois. Il y a plusieurs mots, je sais pas moi, saisho par exemple, j'invente, hein. Saisho, ça veut peut-être dire plusieurs choses. Et là, saisho, ça dépendra du kanji. Mais bon, ça c'est l'étude des kanji, et j'en parlerai au moment où je ferai un cours sur les kanji. Mais oui, il faut bien écrire toutes les lettres du mot en japonais pour avoir la syllabe. So, so, so. Alors, syllabe suivante, du coup, on a le gyu, gi plus petit yu, ça nous fait gyu. Donc on part sur un égal barré avec un hané, une grande virgule et les ten-ten. Puis le petit yu, le poisson barré. Hop. Et enfin le gyo, gyo, un égal barré avec le hané. D'accord, merci. Bah de rien. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai peur de ça, vu que j'ai pas forcément tout bien compris. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour ça, profitez-en. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous aider. Et donc pour le gyo, je répète, c'est la même base, hein, gi plus un petit yo. Hop. Gi plus un petit yo. Et vous voyez qu'avec ma souris, c'est extrêmement moche. Très très moche. C'est pas beau.
du tout. Donc voilà, là on a le gyugyo. Et donc si vous comparez avec le kyakukyo, ici la seule différence c'est les petits tenten, hein, les dakuten que vous n'avez pas en haut à droite de la grande syllabe. Hop, hop. Et au niveau de l'espace, par contre, c'est exactement la même chose. Hein. Exactement. Au niveau de du tracé, ils sont bien plus petits, hein, que la normale. Hop, on continue. Alors là, cette fois-ci, on va tout enchaîner. Je fais plus de quiz à moitié au bout de certaines lignes. Le quiz, il sera à la fin, quand on aura tout vu. Donc, ça va être un petit peu... Voilà. On va avoir pour, allez, 30 minutes à tout voir. Et après, il y aura un long quiz de 20 questions. Donc, pareil, on va voir si tout le monde y arrive. Mais en grosso modo, il n'y a rien de compliqué, hein, dans les syllabes composées. Vous avez la syllabe en i plus un petit yayuyo. Et ça nous fait kyakukyo, kyagukyo. Et là, on va voir les syllabes en s. Sha, shu, sho. Là, il faut faire attention, il y a une petite exception. C'est bien shi plus un petit ya, petit yu, petit yo. Mais il n'y aura pas de y prononcé. Ça va nous faire sha, shu, sho. Et pas shia, shu ou shio. Sha, shu, sho. Sha, shu, sho. Donc pour le chi, un seul et même trait en forme d'hameçon et un petit ya. Pour le chou, idem. Hop. Et pour le cho, un hameçon et un petit yo. Sha, shu, sho. Kore wa sha, shu, sho. Sha, shu, sho desu. Ça va pour tout le monde pour l'instant? Donc là, faites juste bien attention à la prononciation de celui-ci. Hein. Y a pas de Y prononcé. Mais on va l'écrire avec un petit yayuyo. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous pour l'instant? Taijobu desu ka? Est-ce que ça va? Je pense que vous devez être très concentré. Personne ne parle sur le chat. C'est la prise de, notes pardon, intensif. Oui, oui. Yep, c'est bon. Ok, nickel, parfait. Ja, tsuzukimasho, on continue. Donc, le dérivé de S, c'est en Z. Et souvenez-vous, Z plus I, ça fait pas Z. Ça n'existe pas en japonais, ça fait J. J, un J et un I. Et le J se prononce avec un D. J, 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 comme dans l'île Fidji, par exemple. Et donc là, même principe, hein, pour le dérivé, on rajoute des petits ten-ten. Donc, pour les petits tenten, on fait la meçon, les deux petites virgules, et comme toujours, un petit ya. Et faites bien attention à l'espace ici. Il manque All Snake, il m'a pas rendu mon cahier. C'est vrai que All Snake, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu. Et je sais pas, je pense pas qu'il parle pas souvent sur le Discord, du coup, voilà, mais j'espère qu'il va bien. Je regarde pas, je note pas, mais j'écoute. J'adore. Merci d'être là, Jojo. En plus, on est dans, on est dans tes syllabes, là. Bon, c'est Jo. Jo, Jo, Jo. Et donc là, pareil, comme pour le cha, chu, cho, avec le J, il n'y a pas de Y prononcé. C'est Ja, Ju, Jo. Ja, Ju, Jo. Et pas Dia, Duo, Ju. C'est trop compliqué à prononcer de toute manière. Il était là la semaine dernière. Bah oui, il n'était pas venu cette semaine, je suis peut-être trop occupée. Donc voilà, faites bien attention. Ja, après pour le ju, donc un j, plus un petit yu. Et un jo, donc j, plus petit yo. J plus petit yo. Daijobu desu ka? Est-ce que ça va pour vous? Donc là, faites bien attention, c'est surtout la prononciation. On a cha, chu, cho. Je me répète, mais ça vous sera bénéfique de l'avoir entendu en boucle. Comme ça, vous ne vous tromperez pas. Et pour les ji, c'est ja, ju, jo. Ja, ju, jo. Donc là, on a déjà vu quatre lignes que je vous remonte. Kya, kyu, kyo. En dérivé, gya, gyu, gyo. Ensuite, les s, cha, chu, cho. Et les dérivés, ja, ju, jo. Bon, là, on a vu un tiers. Ça va vite. Et Grim qui nous dit Daijoubu. Jayokatta desu. Jatsugi. Alors, prochaine ligne, c'est la ligne des T. Pareil, souvenez-vous, un T plus un I, ça fait pas T.
Ça fait chi, C-H-I, avec un T prononcé devant, comme le chat, comme le manga, chi. Et on va rajouter du coup des petits ya, yu, yo. Et là, pareil que sha, shusho et ja, ju, jo, avec le CH, on n'aura pas de Y. Ça va nous donner cha, tu, cho. Cha, tu, cho. Et faites bien attention, hein, il y a une différence entre sha, shusho, un chat, comme un chat, et cha, avec un T devant, comme chat. D'accord ? Cha, tu, cho. Donc pour l'écrire, on prend un grand chi avec un petit ya. Et je le répète, mais faites bien attention à l'espace. Pour le tu, un chi plus un petit yu. Et pour le cho, donc cha, tu, cho, un chi plus un petit yo. Cha, tu, cho. Cha, tu, cho. Donc voilà, ça, c'est les trois lignes où, au niveau prononciation, il faut faire attention. Il n'y a pas de Y. Il y a les syllabes ya, yu, yo, mais on n'entend pas de Y prononcé. Cha, chu, cho, ja, ju, jo, cha, tu, cho. Pour toutes les autres, le Y sera présent, il n'y a pas trop de soucis. Ah, Mélanie, konnichiwa, genki desu ka? Mélanie-san, kite kurete arigatou. Mélanie Tendo. Comment tu vas, Mélanie? Tu viens réviser tes hiragana? Après avoir eu ton master de japonais, t'en as bien besoin, je pense. Genki da yo. Ah, yokatta desu. Merci, ancien, je bois à ta santé. Kanpai. Kanpai. Vous allez m'achever, hein. Kanpai, Caleb. Non. Et du coup, Kanpai Charlie. Konnichiwa. Oula, j'ai raté un cours, je suis perdue moi. Oh non, ne t'inquiète pas. Bah écoutez, en attendant que tout le monde marque tout ce qu'il faut, je refais un petit récap. Alors, on a fait un petit test comme d'habitude. Et voici les trois premiers cours qui ont été faits. Si tu veux screen, c'est le moment de screen. Donc ça, c'est ce qui a été vu pour le moment. On a vu les syllabes simples et les syllabes dérivées. Et là, on est en train de voir les syllabes composées. Les syllabes composées, c'est une combinaison des grands syllabes en i avec des petits ya, yu, yo. Donc là, on a kya, kyu, kyo, ga, gyu, gyo, cha, shu, sho, ja, ju, jo, cha, chu, cho. Et on arrivait là, c'est à peu près la moitié. Et là, du coup, on va sur la ligne suivante, c'est les N. Je mets quel Nintendo, du coup, la Switch, Game Boy, GameCube. Kanpai ou Kanpai? Kanpai. Alors, on va légèrement entendre un M, comme dans Senpai, mais ça va s'écrire avec un N. C'est Kanpai, Kanpai. Mais niveau phonétique, on aura tendance à entendre un M. Mais bon, moi, je sais pas si je le prononce fortement avec AM. Kanpai, 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 Kanpai. Je sais pas trop si on l'entend, c'est à vous de me le dire surtout. Mais voilà. J'arrive à l'heure du Kanpai. Mais Mélanie, t'as toujours un très bon timing, tu sais. Excellent timing. Donc je disais, ligne suivante, les N. Donc un grand ni avec des petits ya, yu, yo. Ça va nous donner nia. Donc là ici, un trait vertical, un égal, avec un petit ya. Et donc ici, faites attention, il y a un hané hein, qui n'a pas voulu se mettre, mais un hané avec le ni. Un kanpai. Merci Esbume pour cette blague de qualité. Je vais peut-être changer de camp. Bon, toi tu comprendras, mais les autres, je pense pas du coup. Donc, nia. Et nia, c'est le bruit du chat. Le chat en japonais, il fait nia, 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 nia. Ensuite, on a le nu, ni plus you, ça fait nu, ni plus un petit you. Et le dernier, c'est nyo, nyo, comme dans gnocchi. Ni plus petit yo, nya, nyu, nyo.
Coucou la commu. Oh, Anto, Isashi Bully. Genki desu ka? C'est rare quand mes modos sont connectés, donc je m'en rends compte quand c'est le cas. Bon, ma connexion internet bug, donc toujours, donc impossible de suivre les cours dans des bonnes conditions, mais je vais quand même regarder le replay demain. Je ne vais rien lâcher. Ah, Ganpate Destiny, non, Zanen, c'est trop dommage. Ah, essaye de te mettre peut-être en 4G au lieu d'être sur la box. Je sais pas, aussi peut-être que t'habites en campagne, que c'est pour ça la connexion elle bug. Ah, Zanen. Non, je suis trop triste que tu peux pas suivre, c'est trop nul. Des gnognos, des kiki, des gnocchi, Mélanie, j'adore. Voilà comment retenir les mots en japonais, ok les gars. Des gnognos, des kiki, des gnocchi. Voilà, elle a tout compris, Mélanie. Et je valide, je veux des clap clap pour cette phrase dans le chat. Il me faut une émote clap clap, c'est obligé. Il me faut une émote Naruto et il me faut une émote clap clap. C'est obligé, je le fais tout le temps. Oh. Enfin voilà, du coup, les gna mieux gno. All Snake m'a offert un abo, j'avais pas vu, mais oui. Il a genre, j'ai pas compris. Il a sorti sa carte comme ça, il a fait allez boum, j'en offre 5, c'est cadeau. Voilà, c'était à peu près ça, j'étais choquée en mode oh, mamie. Mais voilà, c'était drôle à voir, j'imagine pour vous. Tu fais comment pour écrire les hiragana sur le chat? Il faut télécharger une application soit sur téléphone, si tu suis sur téléphone, ou télécharger les claviers japonais sur ton PC. Et toi, tu as bug. Voilà, et moi, j'ai bug. C'est vrai qu'il y a un dit merci pour le cours. J'essaye de faire quand j'aurai plus de temps. Hi, ganbatte kudasai. Courage, Tsunan. Les replays sont dispo, hein, si tu as besoin. Et voilà, n'hésite pas à rejoindre le Discord non plus si tu as besoin d'aide pour travailler tes kana. Jojo qui nous dit, voilà, maintenant, je suis là pour 13 minutes avant de repasser en audio only. Ah, ganbatte. Oh là là, tu te fais dur, Jojo. Merci, et oui, je regarde sur ta numéro donné. Bon, du coup, on va avancer sur le cours. Ligne suivante, ça va être les hi. Donc hi plus petit ya yu yo, ça va nous donner hya, hyu, hyo. Et faites bien attention, hein, le H en japonais, il est prononcé. Donc hya, grand, hi plus petit ya. Hyu, un grand i plus un petit you. Clairement, là aujourd'hui, à force d'écrire, vous connaissez forcément vos yayuyo. C'est obligé. Obligé. Et du coup, le hyo, un grand hi et un petit yo. Hya, hyu, hyo, hya, hyu, hyo. On continue direct sur la ligne suivante. Vu qu'on est sur le dérivé en des H, en B, les bi. Et bis avec des ten-ten. Donc, on reprend la même base. Hein. Un hi avec des ten-ten, ça nous donne un son B. Donc ici, ça nous donne bi. Plus un petit ya. Donc ça nous fait bia. Ensuite, on a biu. Donc un bi. Avec un petit you. Et le dernier, bio. Un bi. Avec un petit yo. Bia, bio, bio. Bia, bio, bio. Et dernière ligne pour les dérivés en H, c'est en P. Et cette fois-ci, c'est avec un maru ou un handakuten. Et ça nous donne pia, piu, pio. Pia, piu, pio. Donc, pi plus un petit ya. Piu. Donc, pi. Avec un petit yu et pio avec un petit yo. Pia, piu, pio. Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant? On arrive bientôt à la fin, là il reste plus que deux lignes. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez besoin que je remette des diapos d'avant? Est-ce que vous suivez le rythme? Est-ce que ça vous semble facile à retenir? Jojo qui nous dit nickel!
Il le pousse un piou, il le pousse un piou, il le pousse un piou. Non, je vais l'avoir en tête. À la radio, il y a un poussin. Piou piou. Oh, j'adore. Voilà, retenez piou avec le poussin piou. Deux petites secondes. Hi, dozo, dozo. Très bien, nous dit Charlie. Ça va pour l'instant. Pour moi, c'est bon. Hi, jayokata desu. C'est bon. Ah, Nemila. Coucou, coucou. Comment tu vas? Nemila, ton pseudo ne me dit rien. Est-ce que tu ne serais pas nouveau sur cette chaîne? Si c'est le cas, d'où viens-tu? Comment as-tu trouvé le stream, le live? S-Dream est un pio. Est un pio. Mais non. Jojo qui fait hahaha. Pourquoi tu rigoles? À part la blague de Kalinours. Bon, si ça a... Bon, ça a l'air... Ah, Naruto Pio égale petit en patois. Dakara wa karanakatta ne. C'est pour ça que j'avais pas compris. Gombenasai. Tout à fait nouvelle de Virtua Livre. Je viens de découvrir un peu par ici. Oh, Naruto. Ben écoute, bienvenue. J'espère, on arrive sur un peu plus du milieu du cours. Donc voilà, il y a les replays si tu veux voir ce qu'on a fait avant pour apprendre les hiragana. Mais bienvenue à toi du coup, Yokoso. J'étais en attente de d'où viens-tu. Mais oui, il faut demander aux gens d'où ils viennent et demander s'ils vont bien, c'est important. Tu es beautiful. J'adore. Mon dieu, les jeux de mots, je valide. Ah, je t'avoue que moi, j'apprends le coréen. Ah, 안녕하세요, 감지세입니다. C'est tout ce que je sais. K-pop입니다. J'avais une coloc coréenne au Japon, du coup, elle m'avait appris des petits trucs, mais je sais pas grand-chose. J'avais appris tout l'alphabet coréen, et j'ai tout oublié, parce que je ne pratique pas. Oui, très important, les replays, je les regarde en boucle. J'espère que ma voix, à la fin, tu ne vas pas en avoir marre. En plus, je sais que des fois, je pousse dans les aigus d'un coup, en mode « Ah !» comme ça. Et que c'est très énervant pour certaines personnes, et que je parle fort. Même si en live, ça doit moins s'entendre que je parle fort, vous pouvez baisser le son. Mais voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, ça a l'air d'aller, en tout cas, je suis contente. On continue, du coup, il ne nous reste plus grand-chose avant de faire le petit quiz. Aujourd'hui, c'est une séance très light, hein, je vous le dis. On chill un petit peu. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Donc là, on est sur les mi avec les petits ya, yu, yo, nya, mieux, mio, mia, mieux, mio. Donc, mi plus un petit ya, ça va nous donner le son mia. Et je me suis encore trompée d'ordre de trait. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc, on est sur mia. Ensuite, un mi plus un petit yu, ça va nous donner mieux. Et enfin, le mi avec un petit yo, ça va nous donner mio. Mia, mieux, mio. Mia, mieux, mio des. Mia, mieux, mio. Mia, mieux, mio. Voilà, donc mi plus les petits ya, yu, yo. Et on arrive sur la dernière ligne, tout à fait, avec les R. L, R, pardon, que je vous rappelle qu'il faut à peu près rouler comme en espagnol. C'est pas re, c'est pas le, c'est re, 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 c'est ce son-là. Rarirurero, rarirurero. Et du coup, ben, Emilia, yokoso, merci pour le follow. Bienvenue dans la classe et n'hésite pas à te trouver une petite place parmi nous, à prendre de quoi écrire et à suivre le cours. Yokoso. En plus là il y a l'objectif à 600. Je suis choquée, on a monté très vite là. On a presque eu 100 personnes depuis que j'ai repris les lives. Donc depuis la semaine dernière, ce qui est complètement énorme. J'étais tellement choquée. Donc voilà, si en octobre, et je pense que ça sera le cas, on arrive à dépasser les 600, ça sera juste extraordinaire. Je fais une petite parenthèse avant de finir la dernière ligne. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, si vous aimez les cours, à screen de temps en temps le cours, si vous êtes sur PC ou si vous êtes sur téléphone, et à le mettre sur les réseaux sociaux en identifiant le pronom japonais. Clairement, ça va juste pouvoir donner de la visibilité à ce que je fais. C'est cool d'avoir une classe cosy et tout, mais avec tout le boulot qu'il y a derrière, si plus les gens profiteront de ce que je fais, bah plus je serai contente de pouvoir le faire, d'autant plus que c'est gratuit, donc...
Voilà, n'hésitez pas. On fait quoi à 600? À 600, il n'y aura rien de spécial. À 1000, il y aura certainement quelque chose de spécial, des choses à gagner. Mais pas à 600. À 1000, faut viser haut, les gens. Faut viser haut. Je réfléchis, je ferai peut-être un petit truc, mais il y aura un truc à 1000, c'est sûr. Avec tous les partages que je fais sur Facebook, oui, voilà. Ancien, t'as tout compris. Sondé. Un barbecue chez Apprenons le Japonais. Non, mais en vrai, dès que le Covid, ça se calme, je fais un truc sur Paris. Je l'ai déjà dit à ceux qui étaient sur le Discord, mais on se fait un goûter, on se prend tous des trucs, avec les distances et tout, il y aura la totale, mais on se rejoint dans un parc, on prend tous des nappes et tout, on s'installe, on se met bien et on se voit. C'est obligé. Assistant tous chez Saki. Son. 600 à Saki, ça va faire beaucoup, non? À quand un truc à Bruxelles? Quand on pourra aller en Belgique? Ok, je note. Oh non. Bah Bruxelles, c'est en Belgique. C'est loin. Je veux venir sur Paris. Mais oui. Cool, je suis à une heure de Paris. Bah en vrai, Paris, ça sera le plus simple. Moi, j'y suis à 2 heures de route environ. Je suis à 2 heures de route de Paris. C'est la capitale. C'est là où il y a le plus de monde environ sur Discord. Et comparé à tous ceux qui habitent sur l'île ou quoi... Je suis plus près de Lille que de Paris. Ah bah je ferai aussi un truc sur Lille alors. Je ferai les deux. On ira se manger un petit resto tous ensemble. Je viens à Paris vendredi. Ah ça on est. Sur une convention peut-être plus tard par exemple Made in Asia en Belgique. Mais oui, en plus pour la Made in Asia j'y vais tous les ans. Tous les ans je suis à la Made in Asia. Donc c'est sûr qu'on pourra se voir. Sans. J'ai un tournage durant le week-end. Ah, Naruhodo. Ah, t'as l'air de faire tellement de trucs, Jojo. Je suis époustouflée. Ah, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Tous les ans, depuis 3 ans, je vais à la Made in Asia chaque année. Donc, l'année prochaine, là, c'était annulé. Malheureusement, j'ai pas pu y aller. Mais l'année prochaine, s'ils la maintiennent, je suis heureux. Évidemment. Et moi, tous les ans, à la Japan Expo. Moi, la Japan Expo, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de qui est invité, si ça me donne envie ou pas, parce que c'est devenu tellement business que... Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, l'année prochaine, je ferai la Japan Expo en exposant. Donc, why not? Et à Belgique, on est un peu moins chanceux, car on sera pas venir, on pourra pas venir au goûter. À sonner, Japan Expo, moi aussi, je filme et montre les vidéos qui sont diffusées le soir sur la chaîne YouTube. Oh mon Dieu, mais en fait... T'es quelqu'un de famous, tu fais des trucs de malade avec des gens de malade. Oh mon Dieu, je suis tellement honorée que tu sois là à me regarder en train de live. Je suis trop contente. Oh là là, trop bien. Jojo, donne-nous des invites. Ah ouais, carrément, fais-moi passer chez les exposants à la discretos comme ça. Hop, ni vu ni connu. Je dis ça, mais si je le fais, je pense que je le ferai avec l'illustratrice du manuel, Picadrea. Ça reviendrait un peu moins cher de prendre un stand à deux. Mais c'est vrai. Voilà, juste une chose à dire, c'est vrai. Bon, sur ces belles paroles, on fait la dernière ligne et ensuite, ce sera le petit quiz. Donc, je vous répète, hein, ici, on est sur le lit avec des petits ya, yu, yo. Ce qui nous donne ria, liu, rio, ria, liu, yo. Tu. Mais j'aime bien, on est bien ici. Ah, yokata, ureji. Ça me fait très plaisir quand tu dis ça. Ça me fait plaisir quand les gens ils disent qu'ils sont... Ils sont chill, c'est le but. Enfin, qu'ils sont chill, qu'ils se plaisent bien avec moi. Ureji. Je dois recontacter un pote chez Jeux Vidéo pour le PGW prochain. C'est quoi PGW? Je connais pas. Paris Games Week, si je connais, pardon. En fait, je suis un ancien de No Life, pour ceux qui ont connu... Oh, mais sérieux? Mon Dieu, je suis choquée. Ah, Naruhodo. Non mais clairement, Mélanie a tout à fait raison. Jojo, il pèse dans le game. Et Jojo, il regarde un pronom japonais, il regarde Candy Sensei. Et je suis choquée. Waouh. Ok, bon bah voilà, je suis contente. Bon allez, on continue. Donc ici, un lit plus un petit ya. Ça nous donne ya. Un lit plus un petit you, ça nous donne lieu. Et un lit plus un petit yo, ça nous donne lieu. Et ça nous fait lia, lieu, lieu, lia, lieu, lieu. Bon, je pèse juste 75 kilos.
Mais c'est 75 kilos qui pèsent dans le game, c'est pas n'importe quoi. Oh non. Bon, moi aussi je pèse dans le game. Oui, ancien, je suis sûre, tu pèses dans le game. Sonné. Waouh, c'est gros. Enfin voilà. Donc on dérive, on reprend, ça c'est pas très grave. Donc je vous remonte une dernière fois tout ce qu'on vient de voir. Donc ici, on a vu Kya-Kyu-Kyo, Gya-Gyu-Gyo, Sha-Shu-Sho, Ja-Ju-Jo, Cha-Chu-Cho, Nya-Nyu-Nyo, Hya-Hyu-Hyo, Bya-Byu-Byo, Pya-Byu-Pyo, Nya-Nyu-Nyo, et les derniers, Lya-Ryu-Ryo. Lya-Ryu-Ryo. Kya! Son est... Kya! Non, ça c'est pas bien. Bon, sur ce, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez bien pris des notes? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions avant de commencer le quiz? Donc le dernier hiragana, c'est le vrai prénom de Nicky Larson? Et Nicky Larson, non, non, mais non, d'alors. C'est quoi le vrai prénom? Désolée, j'ai jamais regardé Nicky Larson, même le film quand c'est sorti. Tout est dans ma tête, je suis prête. Ah bon, Mélanie? C'est étonnant. Ça va aller, Ryo. Ah, Naruto. J'ai rien noté, mais ça va le faire. Oui, bien sûr. Kyo, c'était pas un chanteur ou un groupe. Mais si, 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 si. Ryo Saeba, Naruto. Oh, bon, moi j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Bon, vous avez l'air chaud patate. Alors, j'ai retravaillé un petit peu les questions, le visuel. Il n'y a pas trop, soyez pas étonnés, c'est vraiment pas très changé. Mais c'est un petit peu différent. Donc, on commence avec de la lecture. Cette fois-ci, plus de propositions. Vous êtes des grands maintenant. Il faut me dire dans le chat la lecture de ce, de cette syllabe composée. Donc, comment se lit la syllabe composée suivante? Un petit peu plus compliqué que les autres exercices de lecture. Je vais tous vous fumer sur le quiz. Lol, le mec en mode compète. C'est tellement ça. Hi, so desu minasan. Kore wa ryo. Ryo desu. Sugoi. Bien joué tout le monde. C'est bien ryo. Un grand li avec un petit yo. Question écriture. Comment écrit-on la syllabe composée mia? Est-ce que c'est la première, deuxième ou troisième réponse? J'oublie toujours que c'est pas la même écriture à son nez. Oh, hi, so desu ne, minasan. Kore wa sanbanme wa mia desu. Le troisième, c'est bien mia. Alors du coup, le premier, il se lit comment? On va faire travailler, hein. Le premier, il se lit comment, selon vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Le premier et le deuxième, du coup, je demande. Donc, en effet, hi, so desu. Le premier se lit nia. Alors que le deuxième va se lire cha. Très bien. Et bon appétit à toi, Niemo. Merci d'être venu. Hein. Kite kurete arigato. Ureshii desu. Ça me fait plaisir. Hi, so desu. Le premier se lit nia. Le deuxième se lit cha. Et le troisième, c'est la bonne réponse, c'est le mia. Question suivante, question de lecture. Comment se lit la syllabe composée suivante? Do desu ka minasan, shitemasu ka? Do daro, do daro? Wa, Kiki-san, sugoi! S-ri mo, minna, sugoi! Bon, je repasse en mode audio. Ah, c'est un nain. Tu pourras pas battre tout le monde, Jojo. Dommage! Hai, kore wa nyu! Nyu desu! Un ni plus un petit you. New. New. Très bien. Bien joué tout le monde. Question d'écriture. Comment écrit-on la syllabe composée ja? Est-ce que c'est la première, deuxième ou troisième réponse? Do desu ka? Shitemasu ka? Wa, Kali l'ours! Tu as battu Kiki en vitesse. Hi, subarashi minasan. So desu ne? Niban Meles, tout à fait, c'est la deuxième réponse. Alors, comment se lit le premier et le troisième, du coup? La troisième ligne, la première et troisième ligne. La première et troisième réponse. Elles se lisent comment? Ils se lisent comment, pardon?
そうですね。そう、グリームさんね。グリームさん。そうそうそう。完璧、皆さん。La première ligne se dit cha. Ensuite, on a notre réponse à la question. Ja. Et enfin, on finit avec cha. Ah, il faut, cela, il faut vraiment bien faire attention sur leur prononciation. C'est cha, ja, cha. Cha, ja, cha. Question de lecture. Comment se lit la syllabe composée suivante? これは何ですか皆さん知ってますか はい、そうですね。はい、それはシャ。シャです。C'est bien シャ。C'est bien シャ。Voilà, j'adore mes jeux de mots. Pou, 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 pou. Bien joué tout le monde. Ici, ça se lit bien chat. Question d'écriture. Comment écrit-on la syllabe composée gyo? Est-ce que c'est la première, deuxième ou troisième réponse? Armadillo qui fait lol. Merci d'avoir pitié de moi. Merci. Waouh, vous êtes super réactifs, c'est fou. Et c'est une excellente réponse du chat, encore une fois. C'est la deuxième réponse. Du coup, comment se lit la première ligne et la troisième ligne? Shitemasuka. Yomikata wa nan desu ka? Est-ce que vous connaissez la lecture de la première et de la troisième ligne? Wa sugoi minasan. Sou desu ne. Kore wa byo. Pour la première, c'est byo. Et la troisième, c'est jo. Byo et jo. Byo et jo. Très bien. Question de lecture. Comment se lit la syllabe composée suivante? Minasan shitemasu ka? Est-ce que vous savez? Hi. Wow, sugoi. So 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 so. Kore wa cho. Cho desu. Cho. Bien joué tout le monde. Ça se lit bien cho. C-H-O. Et ça, on entend un T à la prononciation. Très bien. Cho. Question d'écriture. Comment écrit-on la syllabe composée byu? Byu. Est-ce que c'est la première, deuxième ou troisième réponse? Sonne. Je rigole parce que vous êtes tous déter à chaque fois. Je vois une pluie de chiffres d'un coup, c'est trop drôle. Hi, Ichiban Mede, c'est la première réponse, tout à fait. Du coup, le deuxième et le troisième, ils se lisent comment? C'est Kana. Hi, sugoi minasan. So, 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 so. C'est génial, vous êtes trop fort, mon dieu. C'est Hyu, H-Y-U, et le dernier c'est en P, Pyu. Et donc ça nous fait Byu, Hyu, Pyu. Très bien tout le monde, félicitations. Oui, c'est ça, profitez bien que je sois pas là. C'est vrai que là, Jojo, c'est mort, hein. Si tu voulais être premier, c'est fini. C'est mort. Allez, question de lecture. Comment se lit la syllabe composée suivante? La prochaine fois, voilà, t'as raison, la prochaine fois. Et non, ce n'est pas Cho, malheureusement. Et oui, on a des bonnes réponses dans le chat, bien joué. Ça se lit Hya. H-I plus petit ya. Hya. Hya. Kore wa Hya desu. Jojo, on te remplace, c'est tellement ça. Question suivante d'écriture. Comment écrit-on la syllabe composée kyo? Kyo. Est-ce que c'est la première, deuxième ou troisième? Waouh, subarashi, hai so desu. Tout à fait, vous avez la bonne réponse, c'est la troisième. Donc, comme d'habitude, comment on lit la première et la deuxième réponse? Est-ce que vous y arriverez? Est-ce que vous le savez? Mais vous avez l'air super calé. Alors, soit j'ai très bien expliqué, soit vous les saviez déjà. J'espère que c'est la première réponse. Hai, kore wa nyo. Nyo et mo. Non, myo, pardon. Nyo, myo. Et le dernier, c'est la réponse, c'est kyo. Myo, myo, kyo. Le premier, pour Mayu, du coup, c'est ni plus yo, nyo. Question de lecture. Comment se lit la syllabe composée suivante?
どうですか皆さん知ってますか Merci, apprenons le japonais. Mais de rien, de rien, de rien. Hi! Hi, Kiki-san. So, desu ne, Kalinos Grimm. So. Ah, Clarick, Isashibuli. Coucou, Clarick, comment tu vas? Je viens de te voir pop. Hi, kore wa ju. Ju. So, desu ne. Ju desu. Ju. Question d'écriture. Comment écrit-on la syllabe composée nia? Est-ce que c'est la première, deuxième ou troisième réponse? Waouh, sugoi. Hai, so desu. C'est la première réponse. Du coup, la deuxième et la troisième, ils se lisent comment? J'espère que ça va au niveau du chat qui ne considère pas qu'on est en train de spam. Waouh, ah, sugoi, Armandiro-san, sugoi, so desu ne. Cha et mia. Cha, mia. Cha et mia. Et on va dans l'ordre, nia, cha, mia. Question suivante de lecture. Comment se lit la syllabe composée suivante? Minasan, shitemasu ka? Hi, so, pyo desu. Pyo. Et pyo, ça va, désolé, je ne peux pas suivre ton cours du lundi car j'ai cours d'anglais à la même heure. Oh non, mais punaise, il finit super tard tes cours. Finit à 20h le cours, ça fait mal. Bon, heureusement qu'il y a le replay. Du moins, je sais plus ton niveau, je me souviens plus où t'en étais, ça se trouve, tu connais déjà ici la Ghana. Mais c'est trop bête, c'est dommage. Y a pas un jeu, pyo, 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 pyo. Moi, c'est là, je sais pas du tout. En tout cas, ça me parle pas. Peut-être. Hai, kore wa pyo. On continue avec une question d'écriture. Comment écrit-on la syllabe composée lia? Vous êtes tellement déter. Cours du soir. Ah oui, j'ai suivi les hiragana. Ah bon, ça va, t'auras pas trop de mal à rattraper du coup. C'est pour ça que ça finit tard. Ah bah désolé, je connais pas, alors pio pio. Et en effet, c'est la deuxième réponse. Bien joué tout le monde. Alors pareil, comment on lit la première syllabe composée et la troisième? Do desu ka, minasan? Oh, so. Gya et cha. Et bienvenue à tous ceux qui rejoignent le stream en cours. On est bientôt sur la fin, mais n'hésitez pas à poser des questions, à participer au petit quiz et à follow la chaîne. C'est fait pour. Hi. C'est bien Gya et Cha. So. Je crois que je viens de comprendre que le lit s'écrit pas toujours de la même façon. Alors oui, je le répète, il y a certains caractères, en fonction de la typographie utilisée, de la police d'écriture, il va y avoir des traits en plus ou en moins. Donc le qui, le gui, le ça, le za, par exemple, la troisième barre, elle peut être en un seul et même trait. Alors que là, tu vois, on voit que le gui est en quatre traits. Le lit, c'est pareil, c'est soit en deux traits, soit en un trait, ça dépend de la police d'écriture. Voilà, c'est à cause du clavier. So. Hop, on continue, on arrive à la fin. Lecture. Comment se lit la syllabe composée suivante? C'est traître. Ouais, et puis le pire, c'est que c'est tout le temps comme ça. Donc il faut juste s'habituer. C'est une question d'habitude, tu le sais, et puis hop. Et à l'écriture, par contre, il faut privilégier quand c'est à deux traits, à quatre traits, etc. Hai, kore wa ne tadashi. C'est bien Gya. So desu ne. Gya desu. Gya. Bien joué tout le monde. On arrive bientôt à la fin là. Je crois qu'il y en reste 4. Donc comment écrit-on la syllabe composée mieux? Mieux wa nan desu ka? Est-ce que c'est la première, deuxième ou troisième réponse? Waouh, so, j'avoue, waouh, waouh, hi,
Ichiban Medes, c'est la première réponse, c'est Mew. Et du coup, vous le savez, comment on prononce la deuxième et troisième réponse? Uno, Ichi. Hi, so desu de. Lieu et Nyu. Lieu, Nyu. Et donc ça nous donne Mew, Lieu, Nyu. Mewtwo. C'est inférieur à Mew. Yasu nakoto nai yo. Dame. Question de lecture. Comment se lit la syllabe composée suivante? On est presque au bout, les gens. Il y avait 20 questions. Et la semaine prochaine, on apprendra à écrire gyoza. Hi, so. T'as tout compris, Armadillo. Hi, kore wa jo desu. Faites bien attention, ici, c'est jo, parce qu'il y a les ten-ten. Pas chaud, jo. Et c'est que là, bien, le mot shoujo aussi, hein, si vous voulez du vocabulaire. Jo. Très bien, très bien. Et question d'écriture, comment écrit-on la syllabe composée pieu? Pieu. Est-ce que c'est la première, deuxième ou troisième réponse? Hi, so desu. Bien joué tout le monde, c'est la première réponse. Et même question, hein, vous l'avez l'habitude, comment on prononce la deuxième et la troisième réponse? Hi, so desu, la rapidité, j'adore. C'est bien biu et hiu. Biu et hiu. Et donc on a piu, biu, hiu. Tsugi. Comment se lit la syllabe composée suivante? C'est l'avant-dernière question, on est presque au bout. Tadashi desu. C'est correct, bien joué le chat. Kore wa kyu. Kyu. Très bien, excellent. Kyu. C'est 9. T'as tout compris, oui. En plus, je ne peux pas te dire ta faux, parce que ça veut vraiment dire 9. Ah si, t'as faux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... Enfin, Q en japonais, 9. Il y a une voyelle longue. Chose que l'on apprendra lundi prochain. Q. Q. Mais tu pouvais pas, ça va. Je ne peux pas t'en vouloir. Et enfin, notre dernière question. Comment écrit-on la syllabe composée cha? Est-ce que c'est la première, deuxième ou troisième réponse? Hi, sugoi! Mon dieu, il y a des larmes imaginaires de fierté qui coulent sur mes joues. Je suis fière de vous, vous êtes trop doués. Hi, so desu. Niban me desu. C'est la deuxième réponse. Bien joué, tout le monde. Et du coup, la première et la troisième, elles se lisent comment? Pour finir... sur imperfect. So, size. Attendez, il y a quelqu'un qui toque. Je reviens. Non. Non, j'étais bien dans le noir. Attendez, je... Ben, c'est bon. Oui, c'est le fantôme qui rentre du travail. Et du coup, à boire pour Armadillo, Kanpai. Et à boire pour Charlie, Kanpai. So. Et Dodo qui dit Tadaima. Mais c'est l'inverse. Okaeri. Bon, écoutez, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été, d'après ce que je vois, il n'y a pas grand monde qui ont fait des fautes, ou alors très peu? Est-ce que ça va pour vous? Shitsumon arimasu ka? Dou desu ka? Daijoubu desu ka? C'est le fantôme qui est enfermé dehors. Bah oui, parce que je ferme toujours la porte avec le petit clapet. J'ai peur que des gens ils rentrent chez moi. Non, j'aime pas fermer la porte à clé. C'est trop long. Daijoubu desu? Hi. Oui. Ok, bon bah, écoutez, c'est génial. Alors, le programme. Samedi, on relive encore et toujours sur Pokémon Bouclier en japonais, apprendre du vocabulaire, tout ça.
Lundi, on retravaille, enfin, on va travailler les voyelles longues et les consonnes doubles en japonais. Donc là, il va falloir bien bosser vos kana. Il va y avoir pas mal de mots de vocabulaire pour expliquer et vous faire travailler les nouvelles notions. Je vais avoir besoin de certains d'entre vous pour vous faire lire du vocabulaire, vous entraîner à la lecture. Si il y en a qui le veulent, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que on en parle ensemble. Mercredi, on fera une grosse séance récap, un peu de gros quiz, gros test, qui sera du coup un peu chill. On va tout revoir une dernière fois. Et en 3 semaines, on aura vu tous les hiragana. Et bien comme il faut, normalement, vous devrez bien les savoir si vous travaillez encore un petit peu. Un peu de travail encore, et ce sera très bien. Mais vu que c'est un fantôme, il ne peut pas traverser la porte. Bah non. C'est un fantôme qui n'a pas la capacité de fantôme. Très utile. C'est super, merci beaucoup. Ah, je sais pas si je serai là samedi. Ah, sonne. Nandemonai, c'est pas très grave. Je fais les lives Pokémon en attendant en fait que tout le monde ait. Et après les canas. Et une fois que les canas seront sus, on va repartir sur des lives de traduction habituels. Sauf si ça vous plaît vraiment de jouer à Pokémon ou à d'autres jeux entièrement japonais, évidemment. Mais voilà, c'est un peu l'idée que je m'étais fait. Azum qui est chaud, Caleb qui est volontaire. Et ben écoutez, envoyez-moi des messages sur Discord pour qu'on en reparle d'ici fin de semaine et qu'on voit. Voilà, mais après, il faut savoir ces canas. Hein. Il faut pas forcément parfaitement, mais le but c'est de vous entraîner et de ne pas arriver là en mode j'ai pas révisé, je sais rien, mais on va voir. Non, il faut quand même que vous ayez bien révisé, que vous les sachiez. Mais bon, je pense que je verrai avec vous, je vous ferai tester, mais ça devrait aller. Samedi, une petite demi-heure avant de sortir, je pense. Ah, sonné. Bon, sinon, pour le raid habituel, est-ce que vous avez quelqu'un à me recommander cette fois-ci? Sinon, donne les textes en avance. Pas bête. Je vais voir si j'ai le temps de pouvoir les préparer. Parce que pareil, avec la fac, j'ai pas forcément le temps... Je viens d'arriver sur le live, la streameuse ne boit pas, c'est étonnant. Merci Choupinou. tu dis ça, mais ils arrêtent pas de me faire boire depuis tout à l'heure. Et tout le monde fait boire du coup. Il y a Mété. Kampai Choupinou et Kampai Charlie. Voilà. Vous êtes horrible avec One Sensei là. Kampai Caleb. Non. Kampai Jojo. Kampai Mayu. Je vais mourir. Je vous suis car vous êtes une des seules streameuses à boire autant. Tout s'explique. Oh non. C'est bien, maintenant je peux garder mes points. Le dos droit, oui, il est droit mon dos. Très droit même. Et du coup, j'ai vu un nom passer. Dolito. Qu'est-ce qui nous fait ce Dolito S-Dream? Dis-nous tout, je vais aller regarder ça. Dis-nous tout en attendant que j'aille le chercher. Donne envie aux gens d'aller regarder un petit peu. Ah non, il vient de finir. Ah merde, Valour. Oh bah ça lourd. Ça perd une popette. Hop. Il y a quelqu'un qui a une recommandation? Parce que là, j'ai pas trop de petites chaînes ou de streamers que je connais, que j'aime bien, qui stream. Bon, General Mass, on le connaît un peu tous maintenant. Est-ce que quelqu'un a des recos? Pour les... Oh, tu veux me faire danser? Attends, mais... Comment je fais? Ah non! Bah, je suis obligée, je dois honorer ma danse, mais... Oh non! Oh non, tous les nouveaux qui vont me voir danser! Yasukashi! J'ai une anecdote, ma conjointe, après le dernier live, est intéressée par votre livre, mais en fait, elle avait déjà acheté via Ulule. J'adore!
j'adore, mon dieu. C'est vraiment qu'elle l'aime bien. C'est vraiment, vraiment qu'elle l'aime bien. J'adore. Oh non. Attendez, parce que du coup, il faut que je mette en place pour pouvoir danser. Est-ce que j'ai le setup pour actuellement? Pas du tout. Oh non. Attendez, je vais aller sur YouTube, trouver un Just Dance, comme d'hab. Tuk tuk tuk. Préparer les clips. Ah, t'as ce que t'es. Namo, est-ce que tu pourrais me donner mon gilet qui est sur le canapé, s'il te plaît? Oui, bleu, noir. Je vais regarder ce qu'il y a. Quelque chose peut-être que je maîtrise, ça serait bien. Arigato. J'ai un peu froid. Sur la chanson du piou piou. Non, ça je peux pas. Il faut au moins qu'il y ait un minimum de danse. Et voilà, je danse sur une comptine, mais c'est pas le top. Parce que pas de live en dansant sur Lisa, l'opening de Sword Art Online. Non, je danse que sur des Just Dance. Je sais pas danser. Donc il faut au moins que j'ai une choré devant moi, sinon ça passe pas du tout. Mon amour, faut que je danse là. Donne-moi mon gilet. Sonné. J'entends. Parce que la danse va ressembler à quelque chose. Un minimum. Je ne veux pas me taper la honte à 100%. Mouli, 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 mouli. Attendez, je vais choisir une chanson. Que je connais approximativement. Juste pour la santé de notre sensei, enfin l'épargne, c'est fort concentré en magnésium et c'est mauvais pour les reins sur le long terme, mais parfois pour une cure ou une courte période, mais pas à utiliser tous les jours. Ça, on est, j'en bois que pendant mes streams de l'épargne. Donc ça va, vu que j'en fais 3. T'as les jeux au budesse. Ce live devient un live santé, mais oui, on fait danser et tout là. qu'est-ce que Just Dance, qu'est-ce que j'aime bien? Toys, je l'aime bien celle-là. On fait la poule. Attendez, comment je fais? Parce que clairement j'ai pas la place pour là, comme ça. Ça va être drôle. Hop, on va augmenter la caméra, comme ça vous allez me voir danser. Et on va... Ah, le micro. Le micro. Comment je vais faire? Je vais débrancher mon micro. Non. Si, je vais pas entendre sinon. Comment je fais? Alors, je vais mettre le volume de ça et je vais retirer mon micro. Comme ça, vous n'aurez pas des bruits. Alors, je vais mettre le... Je retire mon micro, je mets la musique et vous me dites... Ah, attendez. Eh bien, du coup, vous n'aurez pas les... J'arrive pas à... Comment on dit? Enfin bref, on verra. Vous me dites si vous entendez bien la musique. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care. I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise I will teach ya. Pum pum po, pum pum po. Hey, I think
are divine and he's about to regret. He's a buck up nothing but buck buck by it, buck up nothing. Je suis morte. Attendez, parce que j'ai pas vu les commentaires du coup. Oh non. Hein, quoi? Il y avait pas la musique? Si, rassurez-moi, il y avait la musique, hein. Vous m'entendez, ça va? Alors attendez, profitez, c'est pas tous les jours qu'un prof vous fera une danse à la fin du cours. Je crois que je suis la seule, je suis clairement la seule, je suis baso. Attendez, je me rassois. C'était génial. S'il y avait, oui, il y avait, bravo, Sensei Ayo Kata. Attendez, je remets bien la caméra du coup. Mais oui, alors d'habitude, pour ceux qui avaient l'habitude, dans l'autre chambre où j'étais, le lit n'était pas tout proche. Mais là, vraiment, là, il y a le lit. Là, là. Donc, je ne peux pas me reculer et voir tout mon body danser, c'est pas possible. Oh non, je dors. Là, c'est tout. Bon, ok, bon, bah, tant mieux, tant mieux. Bon, j'ai encore 9000 points, donc de quoi encore faire 3 lives de danse à la fin? Non. Mais oui, j'autorise un karaoké ou une danse en fin de cours à chaque fois, sinon ça fait un peu long, ça finit en live de danse en fait, ou de chant, mais voilà. Concertez-vous avant de l'utiliser, j'en autorise qu'un. Il n'y avait pas de son pour recommencer, quel menteur, quel menteur. Faut danser sur le lit, pauvre lit, il est déjà tellement vieux, il va mourir si je fais ça. Je ne dirai pas combien, ouais, Kalinours aussi, t'es la reine, je crois que, voilà, j'en peux même pas calculer. Bon voilà, sur cette magnifique danse de votre professeur de japonais, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un que je peux raid? Sinon, bah, on va faire du général masse. Hein. Je regarde un peu ce qu'il y a d'autre actuellement. Donc c'est maintenant qu'on passe en mode cours de danse. Mais oui, c'est exactement ça. So. Mais à la fin, à chaque fois, je... Voilà, c'est le petit plaisir sadique de plein de gens de me faire danser alors que je sais pas danser. Mais c'est pour ça que je fais Joden, ça passe. Les danses japonaises.
Et ça, j'achète. Sonne. Bon, attendez, on va chercher en A. Une chaîne qui commence en A et il n'y a pas beaucoup de streamers dessus. Il y en a beaucoup trop. Qui est-ce qu'on pourrait faire? Les gens, il y a vraiment... Vous avez aucune idée? Je fais au pif. Bon, bah écoutez, on va faire... Je sais pas. Oui, au pif. Bon, on va faire chat, j'aime bien chat. Bon, elle a déjà 230 personnes, mais c'est ça en plus. Hein. Elle est vraiment... Sa voix, elle est trop cute. Genre, vraiment, elle a... J'aime beaucoup la personnalité qu'elle a dans ses lives. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas. Elle est quand même pas mal connue, hein, mais sait-on jamais. Et elle joue aux jeux vidéo. Ah, Shifutu! Merci pour le follow! Arigato gozaimasu! Yokoso! Bienvenue du coup sur la fin de ce stream qui a fini en danse. On est censé être là pour faire du japonais, je te rassure, ce qui est le cas. Mais merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Et du coup, bah, bonne soirée à vous. Je vous dis un samedi. Révisez bien vos hiragana. Si vous voulez travailler à plusieurs, il y a le Discord. Je viens dessus tous les jours. Je papote tous les jours. Donc voilà. N'hésitez pas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, reposez-vous bien, mais révisez bien aussi, n'oubliez pas, c'est important. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Matane !